Chapitre 11. Crac. Ah on est dans les onomatopées là. On est parti. Chapitre 9, Ch euh, chapitre 10, spout. chapitre 11, crac. Chapitre 12, boum, paf, u, j'en sais rien. Chapitre 11, crac. Chapitre précédent, Duncan est donc entré euh, de nuit dans la, dans la classe de Mademoiselle Jaune, ce qu'il suspecte être l'extraterrestre. Parce que sa machine lui a fait quelque chose au cerveau. Et en voulant fouiller dans le frigo de la salle de classe pour chercher à manger, il est tombé sur une boîte de power qui contenait mmh, rien de moins qu'une limace extraterrestre. Mmh. Alors la limace extraterrestre lui a d'abord fait un peu peur, et puis il s'est rendu compte que, bon, elle était un petit peu, comment on va dire, manu... manipulable. C'est-à-dire que c'est pas forcément offensive. Donc, mmh. bon. C'est déjà ça d'acquis. Il peut euh, s'adonner librement à sa deuxième stimulation du cerveau. Il a sorti la machine, il a posé la main dessus, il a mis le casque sur sa tête et il s'apprête à se stimuler le cerveau une bonne fois pour toutes. Chapitre 11 Crac. Je me concentrais, essayant de me rappeler tous les gestes que Mademoiselle Jaune savait accomplis la première fois. Je ne voulais pas courir le risque de faire marcher la machine à l'envers et de me rendre plus stupide. Finalement, je passai à l'action. M'appuyant d'une main sur la table roulante à côté du générateur, je saisis la manivelle de l'autre et me mis à tourner. D'abord lentement et de plus en plus vite. Pendant un moment, rien ne se produisit. Puis j'éprouvai à nouveau une sensation familière, celle de la brise agitant ma chevelure. Alors j'accérais ma la manivelle. Mes cheveux se dressèrent sur mon crâne, les fourmis commencèrent leur procession à l'intérieur. Je pouvais presque sentir mon cerveau s'éveiller. À présent, je tournais la manivelle comme un fou. Vas-y machine, chuchotai-je, vas-y ma vieille, fais ton boulot, et que je devienne le prochain Einstein. Des gerbes d'étincelles colorées éclatèrent dans ma tête, ma vue se brouilla. Chpout !» cria la chose dimace, affolée. Il me sembla sentir comme une odeur de brûlé. Je voulus arrêter la manivelle, mais ma main refusait de m'obéir. On l'aurait cru brancher sur pilote automatique. Et crac Le fracas d'un gigantesque éclair déchirant la nuit noire fut la dernière chose que j'entendis. Je tombai à terre, évanoui. Duncan, chuchota une voix. Duncan, réveille-toi. Je connaissais cette voix. Elle appartenait à Peter Thompson. Mais ça ne pouvait pas être Peter. Il voguait quelque part dans l'espace en compagnie de Broxholm. Ça signifiait que je rêvais et par conséquent que j'étais en train de dormir. Je tentais de me réveiller. Mon corps refusa de coopérer. D'accord, me dis-je, continuons à dormir. L'image de Peter se matérialisa dans mon cerveau. Il avait exactement le même aspect que lors de notre dernière rencontre la nuit du concert de l'école. La nuit où Suzanne s'était servie de sa flûte pour chasser notre prof extraterrestre. Que Broxholm n'ait pas pu supporter la, le son de sa flûte, ça ne m'avait guère étonné. Je ne l'aimais pas beaucoup moi-même. Ce qui m'étonnait encore, en revanche, c'était que Peter eût délibérément choisi de partir dans le vaisseau spatial. Nous mourions tous deux peur à l'idée d'être kidnappés, et lui, il ne demandait que ça. Peter Thompson, trop grand et trop maigre pour son âge avec son regard sombre perdu derrière l'épaisseur de ses lunettes. D'un camp chuchota t-il de nouveau, sais-tu combien de fois tu m'as cassé la figure ces trois dernières années Je secouais la tête. Dans mon rêve, bien sûr. Des tas de fois dit Peter avec, une inqui avec un inquiétant sourire. Et sa tête se mit à changer. Sa peau devint toute verte, d'un vert d'abord pâle, puis de plus en plus sombre. Ses yeux s'étirèrent, remontèrent en direction de ses tempes jusqu'à ressembler à des ailes de papillon, Énorme et orange. Broxholm. Allez-vous-en dis-je. C'est alors que je me réveillais, et cela n'arrangea rien, car la première chose que je vis en reprenant mes esprits, ce fut mon visage en train de me regarder allongé par terre. Mon visage sculpté dans une matière gélatineuse qui luisait d'un éclat jaunâtre. Je clignais des yeux. L'autre moi cligna aussi. Je poussai un cri de frayeur, et l'autre moi cria Spout !» C'était la chose limace. Elle avait grimpé sur la table roulante et se laissait dégouliner pratiquement jusqu'au sol pour me contempler la tête à l'envers. La découvrir ainsi suspendue au-dessus de moi me parut plutôt dérangeant, mais je fus surtout inquiet de constater qu'elle avait la faculté de reproduire mon visage. J'espérais qu'elle ne le ferait pas en mon absence. Ce serait la preuve irréfutable de mon intrusion dans le laboratoire. Cette limace ne savait-elle copier que ce qui se trouvait devant elle ou alors, une fois qu'elle avait copié quelque chose, pouvait-elle en répéter l'image encore et encore Bien sûr, ce n'était là qu'une des nombreuses questions auxquelles je m'efforçais de trouver une réponse. Les autres étaient ⁇ A. Comment obliger la limace à retourner dans le réfrigérateur ?⁇ B. Combien de temps étais-je resté sans connaissance ?⁇ C. Le stimulateur avait-il donné des résultats ?⁇ Si oui, à quel point étais-je devenu plus intelligent ?⁇ Et ⁇ E. Que faire maintenant je décidai qu'il fallait avant tout remettre la machine à sa place. Je me relevai et ramassai le casque que j'avais entraîné dans ma chute. Du coin de l'œil, je vis la limace se couler au bas de la table roulante et aller se jucher sur le bureau d'Andromède Jones pour mieux observer mes mouvements, si l'on peut appeler ça observer. Ne bouge pas, lui dis-je d'un ton menaçant. Spout rétorqua-t-elle. Je rangeai la table et son matériel dans le placard. En refermant la porte, je me demandais si la machine ne disposait pas d'une espèce d'indicateur de puissance, auquel cas il suffirait d'un coup d'œil à Andromède Jones pour découvrir qu'on venait de la faire marcher. Aussitôt après, je me fis la réflexion que je n'aurais jamais pensé à ce genre de détail auparavant, donc j'étais devenu plus astucieux. Je me, éga... je me demandais également si mademoiselle Jones avait utilisé sa machine sur quelqu'un d'autre, et pourquoi elle l'avait utilisée sur moi. Ce n'était certainement pas par pure bonté d'âme. Cette idée me rendit nerveux et me convainquit que j'avais eu raison de me stimuler le cerveau, car si je devais servir de cobaye à une expérience organisée par Mlle Jones, ma meilleure défense consistait à devenir plus intelligent aussi vite que possible. Je fermais les yeux. À quel degré d'intelligence étais-je parvenu Je n'avais aucun moyen de le vérifier. Du reste, le stimulateur avait mis un certain temps à produire son effet la première fois. Par ailleurs, je ressentais toujours ce fourmillement bizarre dans le crâne. Peut-être mon cerveau était-il en train de développer de nouvelles synapses ou, ou quelque chose comme ça. Je tressaillis. Où avais-je été pêché un mot comme synapse Je ne me rappelais pas l'avoir rencontré quelque part. Le stimulateur avait-il emmagasiné en moi des informations dont j'ignorais même l'origine Cela me fit frémir. J'y réfléchirai demain, me dis-je à voix haute, comme Scarlett O'Hara dans Autant emporte le vent. Là, je restais bouche bée. Voilà que je citais des romans que je n'avais jamais lus à présent. Je revins sur Terre au prix d'un effort. Pour le moment pour le moment, il me fallait quitter ce laboratoire, inutile de m'attarder dans les parages. J'allais chercher la boîte Tupperware et m'approcher de la limace. Entre là dedans, ordonnai-je en lui montrant la boîte. Chou bégaya-t-elle. Dedans, répétai-je de mon air le plus féroce. Elle mit un petit soupir, s'effondra sur elle-même et finit par se glisser dans la boîte. Je refermai celle-ci avec un ouf de soulagement et la rangeai dans le réfrigérateur, ce qui me fit penser que je n'avais toujours rien mangé. Je promenais mon regard autour de moi, tout semblait en ordre. Et maintenant, à la maison, me dis-je. Je sortis dans le couloir et m'acheminai vers la porte donnant sur l'arrière du collège sans prendre de précautions cette fois. Avec tous les cris que j'avais poussés, si quelqu'un d'autre rôdait encore dans le bâtiment, il m'aurait épinglé depuis longtemps. Lorsque j'émergeai au dehors, la lune avait disparu derrière un nuage. Son absence rendait le ciel plus noir et les étoiles plus brillantes. Les yeux levés vers le ciel, je me demandais lequel de ces points lumineux abritait la demeure d'Andromède Jones. Je me rappelais soudain qu'il existait une constellation nommée Andromède. En avait-elle tiré l'idée de son faux nom humain Elle ne manquait pas d'aplomb, ma parole. Certes, le fait que je puisse connaître le nom d'une quelconque constellation aurait dû me surprendre, mais je le remarquais à peine. Je suppose que je commençais à m'habituer à mon intelligence. Je fis le tour du collège. La pelouse était détrempée et mes baskets le furent aussi quand j'atteignis l'avant du bâtiment. J'entendais des grillons chanter au loin. J'aime être dehors la nuit. Tout est silencieux, paisible. On se, on se sent plus en paix avec soi-même que dans la journée. Le carillon de la ville se mit à teinter. Deux heures du matin. Mieux valait se dépêcher. J'avais à peine dépassé deux pâtés de maison quand une voiture ralentit silencieusement à ma hauteur. Une portière s'ouvrit et une voix grave me dit monte d'un camp.